Et pour reprendre un petit peu sur les circuits courts, sur le territoire, moi-même, je fais partie, donc je suis directrice d'un centre intercommunal d'action sociale. Je travaille avec les collectivités. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on passe, par exemple, un marché sur du portage de repas, nous sommes extrêmement attentifs à cela et nous travaillons uniquement qu'avec des producteurs locaux. Je voudrais qu'on revienne, Véronique Amreur, à La République En Marche, que vous représentez donc dans cette 11e circonscription de Gironde. Vous avez, comme les autres, signé une charte d'engagement. Que devez-vous à Emmanuel Macron ? Je dois à la France, madame. Je dois aux électeurs, je dois aux habitants d'un territoire. Ça, je dois de mon temps, de ce que je suis, de ce que je souhaite être auprès d'eux. Et ce que je dois à monsieur Macron, c'est cette aventure extraordinaire que je n'aurais jamais cru que dans six mois auparavant, j'aurais pu être là aujourd'hui devant vous pour éventuellement brider une place de député. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est travailler sur un territoire, faire avancer un territoire pour les habitants et pour l'intérêt général. Derrière ma première question, il y a celle-ci également, c'est-à-dire, est-ce que vous serez capable de dire non ? Mais bien sûr que je suis capable de dire non. C'est la question qui se pose, vous l'avez entendu, on n'invente rien. Mais ce n'est pas un non de résistance, c'est un non constructif. Si jamais je suis amenée à dire oui, j'expliquerai pourquoi je dis oui. Que si je suis amenée à dire non, je dirai pourquoi effectivement je ne suis pas d'accord. Mais monsieur Macron est quelqu'un du débat. Il ne faut pas penser à un moment donné que parce qu'il y aura une grande majorité, il n'y aura pas de débat. Le débat aussi, il peut venir de la rue, il peut venir de nos électeurs, de nos associations, sur le terrain. C'est des choses qu'il faudra que je fasse remonter. Edwige Diaz, quel député serez-vous ? Une députée qui dit les choses quand elle a besoin de les dire, une députée force de proposition. Et moi, je ne me noierai pas dans un magma de 400 députés, donc ma voix sera entendue. Vous demandiez ce que Mme Amreur doit à M. Macron, elle doit tout. Le terrain que je fais, les gens ne vous connaissent pas. Si vous n'aviez pas l'étiquette Macron... Vous connaissent-ils davantage, Edwige Oui, je pense d'autant plus, oui, parce que mon travail est reconnu, mon expérience de conseillère aussi est reconnue. Je suis sur le terrain depuis des mois, ça fait pas 3 semaines que je sais que je suis candidate. Donc je pense que la différence est indéniable. Et moi, je serai la députée représentante de toute l'opposition à Macron. Je ne suis pas exclusivement la candidate du Front National. Je représente aujourd'hui la possibilité d'offrir une opposition à Macron sur le département de la Gironde. C'est ce que vous reprochez finalement à votre adversaire. Votre priorité, ce sera laquelle, si vous êtes élue ? La proximité, le terrain, l'écoute... Et l'apprentissage. Et vous vous battrez contre quoi ? Contre le système. Véronique Amreur ? Ma priorité, d'abord en tant que députée, c'est de bien comprendre la fonction de députée, mais surtout et avant tout, ça va être de rassembler. De rassembler des élus pour bien leur faire comprendre que sur ce territoire, il est important de travailler ensemble dans l'intérêt de notre territoire pour porter ensemble les grands sujets de ce territoire-là. Merci. Mesdames, d'avoir accepté cette confrontation donc, en ce qui concerne la 11e circonscription de Gironde. Merci à vous. Merci. C'est l'autre question de cet entre-deux-tours. Le Parti socialiste est-il condamné à mourir ? Question légitime, y compris chez nous, en Aquitaine, terre historiquement ancrée à gauche. Une chose est certaine, son pronostic vital est fortement engagé, y compris dans ces bastions. C'est le cas des Landes. Dans les 3 circonscriptions du département, le mouvement d'Emmanuel Macron est arrivé en tête. Focus donc maintenant sur la 3e. Elle est symbolique, c'est le fief d'Henri Emmanueli, décédé en mars dernier, grande figure de la gauche du Parti socialiste, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été un député qui a beaucoup compté. Sa forteresse est restée imprenable pendant plusieurs décennies. Ce n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Reportage. Avec 120 000 habitants, la 3e circonscription des Landes est la moins peuplée du département. Elle est tournée vers l'agriculture, l'élevage du bœuf de Chalosse et du canard qui subit depuis décembre la crise aviaire, un thème récurrent de la campagne des législatives. En tête, avec 34% des voix, Jean-Pierre Stenner, candidat pour La République En Marche. Cet ancien commissaire de police, novice en politique, installé dans les Landes depuis 10 ans, fait son analyse sur les abstentionnistes.
Ils se sont abstenus parce que peut-être, bon, d'abord aussi comme nous, hein, ras-le-bol de la politique, ça a été très long cette campagne. Il y a des éléments qu'on n'a pas compris, qu'on ne veut plus voir. Hein. Donc moi j'ai surfé, passez-moi l'expression, sur la fin de la levée de ces clivages. Avec 25% des voix, Boris Vallaud fait partie des rares socialistes qualifiés au deuxième tour. Ce haut fonctionnaire landais veut rassembler. C'est une nouvelle bataille qui s'engage pour rassembler la gauche et puis pour aussi avoir des députés qui puissent apporter aussi la contradiction à un gouvernement qui sera très monolithique. Malgré tout, il sera très difficile de récupérer les voix de la France insoumise. Elle ne veut pas d'alliance ni de ralliement. Qui succédera à Henri Emmanuelli, qui a tenu le siège de la troisième pendant 39 ans? Réponse dimanche soir. Et oui, qui, après Henri Emmanuelli, l'ancien patron des Landes, avait misé sur vous, Boris Vallaud, pour lui succéder? Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'imagine qu'ensemble, avec Henri Emmanuelli, avant son décès, vous avez beaucoup parlé de cette circonscription, de ce projet que vous avez mûri. Que vous disait-il de son territoire, de ce territoire? Écoutez, il me disait que c'était un territoire pour lequel il fallait se battre. Parce qu'il a vu une exigence, c'est que ce département soit toujours un peu plus grand que ce qu'il est vraiment. C'était un petit département, mais qui avait toujours le plus grand, toujours le meilleur, qui était un territoire d'innovation, un territoire d'ailleurs d'innovation dans tous les domaines, dans le domaine économique, social, dans le domaine éducatif. Et sa préoccupation, c'était de poursuivre cette histoire, cette dynamique. Et ce que transmet Henri Emmanuelli, ce n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas un mémorial qu'on fleurira tous les ans. C'est une exigence, celle d'exiger le meilleur et de se projeter dans l'avenir. Et de construire notamment l'avenir de nos enfants. Est-ce que c'est un point commun que vous avez avec M. Boris Vallaud, Jean-Pierre Stenner? Vous êtes donc le candidat de la majorité présidentielle, arrivé en tête sur cette circonscription des Landes. Oui, oui, je partage. Je partage, mais ce que j'aurais voulu faire passer comme message, c'est que cette élection législative qui va entraîner ce deuxième tour, donc le successeur aux députés sortants, n'a rien de pareil à ce qu'elle était avant. C'est-à-dire ce non-cumul des mandats. Ce non-cumul des mandats. Et ici, dans cette troisième circonscription, c'est un point fort, parce que le député sortant a cumulé en même temps les mandats du conseil départemental. Et je pense qu'il convient aussi de savoir faire la différence entre les avantages qui revient au département de ceux qu'on nous demande aujourd'hui, nous, futurs députés, de travailler dans la législature. Pourquoi vous ne citez pas le nom d'Henri Emmanuelli, Monsieur Stenner? Ah, mais ça ne me gêne pas du tout de le citer, mais je pense que nous sommes là. Moi, je ne prends pas, je dirais, l'héritage. Je comprends parfaitement que Boris Vallaud puisse, parce qu'il a été appelé à ce titre, l'en revendiquer, si vous voulez. Moi, je ne me passe pas du tout sur cette position-là. Comme je vous le dis, je me place sur une position nouvelle d'un candidat de la société civile, qui souhaite succéder pour exercer exclusivement donc des fonctions de législateur. Alors, Boris Vallaud, vous êtes donc candidat socialiste dans cette troisième circonscription des Landes. En ballotage, il faut bien le dire, défavorable, avec 9 points de retard. La faute à qui, d'après vous? Ou la faute à quoi? Écoutez, c'est les circonstances nationales, c'est la suite des élections présidentielles, c'est une vague qui est très forte, celle de La République En Marche. Voilà. Et en même temps, j'étais le candidat d'un parti qui était arrivé cinquième aux élections présidentielles dans le département des Landes. Je suis aujourd'hui deuxième. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Est-ce que finalement, vous ne payez pas peut-être votre attachement aussi quelque part à François Hollande? Écoutez, vous savez, je crois qu'on ne paye jamais la loyauté et la fidélité. La fidélité, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans la fréquentation des grands philosophes, visiblement. Moi, vous savez, j'ai choisi d'être un haut fonctionnaire loyal. Je crois que c'est pour ça que nous sommes désignés et que nous sommes payés. Et puis, je ne crois pas que c'est porté tort à celui qui a été mon immédiat prédécesseur, qui est devenu président de la République. Il vous a appelé d'ailleurs, François Hollande, dimanche soir. Il en a appelé certains. Non, il m'a pas appelé, non. On vous reproche aussi parfois un manque de notoriété. On vous dit même que vous êtes un peu un parachuté. Ça vous agace, ça? Oui, écoutez, vous savez, on est toujours comme le disait Tahar Ben Jelloun, je crois, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et moi, je laisse cet argument à l'extrême droite. Vous savez, moi, mon attachement à Hollande, il est viscéral. C'est l'histoire de ma famille.
c'est un département que je connais bien et pour lequel je trouve du sens à me battre. Et d'autant plus que, bah oui, c'est un département qui peut être fier de cet héritage, même si certains ont le désir de s'en défaire, de le liquider. Moi, je n'ai pas ce désir-là, je souhaite le cultiver, le faire grandir. Et comme M. Steiner, je n'aurai pas d'autre mandat. Je serai moi-même législateur. Mais un législateur qui sera soucieux de son territoire, soucieux de défendre les dossiers landais, parce que c'est important, parce que nous avons des enjeux, des grands dossiers qui nous font face. On en parlera peut-être tout à l'heure, la grippe aviaire, le village Alzheimer, l'avenir des services publics. Il faut des députés aussi qui soient capables de taper du poing sur la table et de dire non quand il le faut. Justement, Jean-Pierre Steiner, vous êtes novice en politique. Est-ce que vous serez, si demain vous êtes élu, capable de taper du poing sur la table ? Capable d'appréhender le travail législatif ? Oui, pour taper le poing sur la table, je pense savoir faire. Quant aux novices, non, aux novices, nous sommes deux novices. Hein. Boris Vallaud n'a pas plus d'expérience de député que... Mais il connaît peut-être les arcanes. C'est peut-être oui, son... Il connaît justement les arcanes que nous voulons changer. Voilà. C'est celle-là, Arcane, qui connaît. Nous sommes évidemment pour changer ses usages. Emmanuel Macron en a tiré une expérience, que le poids des appareils politiques était plus des inconvénients et des freins à avancer, ce qui l'a d'ailleurs poussé à quitter ce gouvernement et à se lancer dans l'émergence de ce mouvement. Donc je ne peux pas, évidemment, adhérer à autre chose que ce mouvement-là. Ensuite, sur la représentation, oui, je reconnais, justement, je reconnais la loyauté de Boris Vallaud dans les fonctions qu'il a occupées auprès de l'ancien président de la République. Mais ce que je ne reconnais pas, ou plutôt ce que je ne comprends pas dans le paradoxe socialiste, c'est qu'on sait en fait pourquoi ce président de la République ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas représenté parce qu'il était en souffrance, il était en détresse du combat que lui ont mené des frondeurs. Or, M. Vallaud, malheureusement, se retrouve... Et Emmanuel Macron. Et des frondeurs. Et Emmanuel Macron. Il a démissionné du gouvernement. Au contraire, il a fait l'objet de contestations. Pour en terminer, excusez-moi, une minute. Or, Monsieur Vallaud est quand même le candidat du canton que je qualifie être la capitale de la Fronde. Alors on peut peut-être le laisser répondre. C'est assez intéressant parce que c'est le canton d'Henri Emmanuelli. Il y a manifestement un désir de liquidation d'Emmanuelli. C'est le désir de la droite dans ce département avec lequel Monsieur Steiner est allié aujourd'hui. Je n'en fais pas le reproche, je le constate. Moi j'ai fait un vrai choix de courage, celui d'être en accord avec mes idées, avec mes valeurs. Mais je regarde l'état de la gauche, l'état de la social-démocratie partout en Europe avec le même regard critique que beaucoup. Je sais pourquoi nous nous sommes plantés sur bien des sujets, pourquoi nous n'avons pas su expliquer certaines de nos politiques. J'ai un regard critique et je sais qu'il y aura beaucoup à refonder. Mais je ne le fais pas en liquidant, en essayant de me décrasser de ce que je suis, de mes convictions, de l'histoire longue de la gauche. Parce que mon honneur, celui de la gauche, c'est dans la tempête, quand le drapeau est au sol, de le reprendre. Et moi, c'est ce à quoi je m'engage. C'est tellement plus facile de renoncer à ce que l'on est. Ce que j'aimerais comprendre, Boris Vallaud, c'est que vous avez succédé donc, à Emmanuel Macron, hein, à l'Élysée, au poste de secrétaire général adjoint. Vous auriez pu ou pas pu du tout être macroniste. Pourquoi vous ne l'êtes pas ? Écoutez, pour tout vous dire, je le connais fort bien. Il m'avait proposé d'être son directeur de cabinet quand il est devenu ministre. Je l'ai refusé parce que, précisément, beaucoup nous séparaient. Beaucoup nous séparaient et moi je ne cédais pas. Vous trop à gauche, lui trop à droite, c'est ça ? Oh, pour faire simple. Je ne sais pas si on est trop à gauche ou trop à droite. J'étais à gauche et il était tenté par une pente qui était libérale et qui ne me paraissait pas convenir aux exigences du pays, à la situation sociale. Je ne crois pas à la liberté sans égalité, sinon c'est la loi du plus fort. Je crois qu'il faut se méfier de ce qui pourrait laisser les plus démunis au bord du chemin. Et voilà, beaucoup nous séparaient et je n'ai pas. Par convenance personnelle, de suivre Emmanuel Macron dans son aventure. Jean-Pierre Steiner, on connaît le parcours hein, de Boris Vallaud, beaucoup moins le vôtre. Vous êtes donc un ancien commissaire de police. Vous êtes installé dans les Landes depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, une vingtaine d'années. En gros. Oui, 97. Avant de rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron, vous étiez plutôt de quelle tendance politique ? Non, mais là, je suis complètement interpellé parce que de tendance politique, moi, je pense... plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre ? Non, moi, je dis clairement, je pense... J'ai un esprit socialiste d'ouverture.
J'ai jamais fait de politique de ma vie. Je ne suis pas encarté. Je me suis adhéré à aucun parti. Quand j'entends, bon, évidemment, de droite. Pourquoi ? Parce que ce mouvement est composé lui-même d'engagement de personnes, de la société civile d'ailleurs, quelle que soit leur opinion politique. D'ailleurs, nous ne sommes jamais interrogés quand on s'est rassemblés. Est-ce que tu es de droite ? Est-ce que tu es de gauche ? Nous voulons lever ces clivages. Nous pensons que ces clivages sont un obstacle aujourd'hui. Nous avons vu se construire dans le dernier quinquennat et à la dernière Assemblée nationale des clivages qui ont empêché les réformes de fond de parvenir à leur fin par des oppositions principalement de lignes de partis politiques. Et ça, nous espérons que maintenant, dans ce mouvement qui rassemble toute la diversité des opinions, de droite, de gauche, du centre, pouvoir s'entendre et se réunir sur un programme, quelles que soient nos opinions. Voilà. Donc je pense que le débat de droite ou de gauche, pour nous, il n'a plus lieu. Enfin, Édouard Philippe, il est de droite, hein, comme ministre. Oui, mais d'autres sont aussi de gauche. Le Drian n'est pas de droite. Dans notre mouvement, nous avons des gens de droite et de gauche. Donc je veux dire, cette idée de clivage, celle-là, nous l'avons abandonnée. Et d'ailleurs, un de mes thèmes, c'est de lever les clivages. De cette troisième circonscription des Landes, une réponse, Boris Vallaud. Non, moi, écoutez, je veux bien. On nous promettait dans ce gouvernement, d'avoir le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. Moi, ce que je vois du projet de réforme du droit du travail par ordonnance, du projet pour l'école, des projets de fiscalité pour les retraités, c'est que pour l'instant, on nous propose le pire de la droite. Et quand je regarde un certain nombre des premiers projets de ce gouvernement, je pense à cette loi de moralisation de la vie publique que j'accompagnerai si je suis élu, avec volontarisme. J'en suis d'autant plus convaincu et mon appui sera d'autant plus nécessaire que le Premier ministre lui-même, en 2013, n'a pas voté la loi sur la transparence et s'était fait épingler par la haute autorité. Je prétends être plus convaincu que lui. Sur la loi de transition énergétique, il n'avait pas voté. Je serai du côté de ceux qui prendront des initiatives. Moi, je veux bien que tout se vaille, que tout soit égal. Mais méfions-nous de la grande duperie qui nous conduirait finalement à faire une politique de droite, de régression sociale, avec le sourire de la gauche. Alors justement, comment convaincre vos électeurs ou les électeurs dans cette troisième circonscription des Landes ? Vous êtes en retard, 9 points, je le disais au début de ce débat. Comment les attirer, les séduire ? Vous savez, ce Steiner disait que les Landais, peut-être singulièrement dans le canton de Mugron, ne sont pas des gens résignés. Ce ne sont pas des gens qui cèdent à la fatalité. Ce ne sont pas des gens qui aiment faire comme tout le monde. Ils ont le goût de la typicité, de la tradition, de la différence. Et beaucoup ne sont pas allés voter, entre parenthèses. Et je crois qu'ils le feront valoir dimanche prochain. Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est en jeu fondamentalement ? Ce n'est pas de savoir si le président de la République aura une majorité. Elle sera très large, on le sait. La question qui est posée, c'est de savoir si face à cette majorité pléthorique, aux ordres, qui abdique sa réflexion critique, qui abdique son pouvoir de contradiction. Boris Vallaud, auriez-vous dit la même chose si c'était le PS aujourd'hui à la place d'Emmanuel Macron, avec une possibilité de 400, 420, 430 ? De la même manière, parce que je suis un démocrate, parce que je suis attaché au pluralisme, parce que, pour répondre à une question qui nous a été posée, et nous sommes d'accord sur ce point, ce matin, je suis pour l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les élections. Parce qu'il n'est pas... on dit toujours, mais personne ne le fait. Et oui, mais là, nous le verrons. On verra. Je pense qu'on est d'accord pour s'orienter. Et si je suis député, j'appuierai cette initiative-là. Il faudra bien d'autres réformes institutionnelles pour regagner la confiance de nos concitoyens. Donc moi, je leur dis, attention, ne vous enfermez pas dans un parti unique, ne vous enfermez pas dans le monolithisme politique. On a besoin de pluralisme, on a besoin de contre-pouvoir, on a besoin de contradictions. C'est de ça que la démocratie vit. Et quand on en manque, eh bien, on n'avance pas, on recule. Jean-Pierre Steiner, le culte de la personnalité, c'est pas dangereux, justement ? Non, mais sur cette assemblée dite monolithique, ce que je ne comprends pas, c'est que le dernier quinquennat avait, en fait, la même configuration. À quoi vous opposerez-vous dans les propositions du président ? Je vais d'abord répondre sur cette assemblée monolithique qui ne pourrait rien produire. Le dernier quinquennat, nous avions une assemblée qui avait une majorité, de gauche, nous avions un Sénat qui appartenait à la gauche, nous avions un gouvernement qui était complètement de gauche. Du coup, c'est Jean-Yves et Nora pour le sujet nettoyage des berges à Pissos. Alors, plusieurs séquences. D'abord, les agents qui ramassent les déchets, ils les remontent avec un treuil, ils les trient, et puis il y a aussi un groupe de personnes qui parlent, c'est pour aller vers l'interview du maire qui est en chemise blanche. Et enfin, il y a la rivière avec toutes ces bestioles. On peut commencer avec les agents pour aller très vite vers le treuil. On va reprendre quelque part. Donc, on a un gros problème comme technique. 1, 3, puisque c'est l'arrivée 2, du sujet. 1. Du plastique, du verre, de la ferraille, on trouve de tout ici à Pissos. Dans les années 50 et pendant 20 ans, le site avait... Pardon. Je commence. 3, 2, 1.
prendre un verre d'eau, hein, vous m'excuserez parce que là... Au départ, même au bout des faits. Tiens, mais toi, t'as de l'eau, toi. Vous avez de l'eau, non? Non, moi, non. Bah, moi, il me reste un fond de verre. Les garçons, vous pouvez apporter deux verres d'eau, s'il vous plaît. L'eau, c'est la petite fontaine, elle est en sortant sur votre gauche. Voilà. Et par... Bon, très bien. Ils vont trouver. Ouais, ils vont trouver. Des brouillards. C'est dommage, zut. Ah oui, là, c'est quand même curieux. Bah oui, on a changé, ouais. Là, on a changé un peu. C'était sympa, mais là... Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, ils font une réécoute, là, pour voir où on peut repartir. J'ai même soumis un mouvement de grève, vous voyez. Tu sais ce qui se passe, Véro? C'est du sabotage. Pardon? C'est du sabotage. Sabotage? Ouais. Zut! Parce que là, c'était quoi, un studio là-haut qui a interféré, c'est ça? Et en fait, c'est notre équipe donc des Landes qui... C'est de ça que la démocratie vit. Et quand on en manque, eh bien, on n'avance pas, on recule. Jean-Pierre Steiner, le culte de la personnalité, c'est pas dangereux, justement? Non, mais sur cette... assemblée dite monolithique. Ce que je ne comprends pas, c'est que le dernier quinquennat avait en fait... Mais à quoi vous opposerez-vous? À quoi vous opposerez-vous? Sur cette assemblée dite monolithique, ce que je ne comprends pas, c'est que le dernier quinquennat avait en fait... Mais à quoi vous opposerez-vous? À quoi vous opposerez-vous? Les propositions du... Okay. En ce moment, en direct. On est en direct sur Facebook. Ah bon, ça va.
sur M. Stanner. Alors, on vous a bien compris, Boris Vallaud, mais justement, Jean-Pierre Stenner, est-ce que ce n'est pas un problème, ce culte de la personnalité, par rapport à Emmanuel Macron ? Ce n'est pas le culte de la personnalité. Je reviens sur cette assemblée monolithique dont il serait à l'origine, finalement, de cette adhésion et qui pourrait représenter un danger. Cette assemblée à large majorité, le quinquennat précédent l'a connue, à l'Assemblée nationale. Pas de cette ampleur, hein, si ça se confirme dimanche prochain. À l'Assemblée, ils avaient les pleins pouvoirs pour tout voter. À l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, où là, il n'y avait pas de ministre donc, de droite, un président de la République. Et puis, j'entends aussi que ça pourrait gêner sur un point de vue national, mais que... Là, je vais prendre l'exemple du conseil départemental. C'est une assemblée monopolie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que, pour la plupart, la majorité aussi, une large majorité d'élus socialistes, et ça ne gêne pas le fonctionnement au niveau territorial. Il y a une opposition, pourquoi ça gêne conseil, une opposition au conseil départemental. Oui, conseil départemental. Au conseil départemental. Moi, je trouve ça utile à la démocratie, je le dis hollandais, à ceux qui ne sont pas allés aux urnes. Parce que ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on a un grave problème démocratique. Oui. Quand il y a un Français sur deux qui ne va pas voter, ça donne la mesure de la crise de la démocratie, de la perte de confiance vis-à-vis des représentants. C'est un problème qui nous concerne tous les deux et qui concerne chacun de ceux qui se sont présentés partout en France. Eh bien, il faut leur dire aux urnes, il faut leur dire aussi, ne laissez pas une assemblée sans pouvoir de contradiction, sans pouvoir d'opposition, sans pouvoir de proposer des choses alternatives. Voilà. Mais j'allais vous le dire, Boris Vallaud, on a l'impression que rien n'imprime chez les électeurs, parce que les affaires type Ferrand, ça glisse. La réforme du Code du travail, qui sera la mère des batailles cet été, pareil, idem. Eh bien, vous avez raison, c'est une bonne occasion maintenant d'en parler. La CSG, même scénario. Vous avez raison d'en parler. Parce rien que n'imprime. Vous avez raison d'en parler. Parce qu'il faut parler. Je ne suis pas sûr qu'il n'imprime pas. Il faut parler des vrais sujets. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il n'imprime pas. Mais commençons effectivement par ce que vous dites. Vous êtes en train d'évoquer l'augmentation de la CSG des retraités. Écoutez, je trouve ça particulièrement injuste. On va abaisser le pouvoir d'achat des retraités. On sait ce qu'est le niveau des retraites. Et dans le même temps, on va baisser l'ISF pour les fortunes boursières. Il y a un problème d'équité et de justice sociale qui est dramatique. Et moi, je le dis parce que j'ai vu les retraités. Vous allez vous y opposer. Vous ne voterez pas l'augmentation de la CSG des retraités. Je l'entends. Moi, je vais, vous ne voterez pas ? Bien sûr, je vais voter le programme que nous défendons. Mais par contre, vous ne direz jamais non à Emmanuel Macron au sein de l'Assemblée ? Pas une histoire de dire non. C'est au sein de ce programme, contrairement à ce que j'entends, dans toutes les réformes que nous allons... Il y a une réponse qui est franche. Vous augmenterez la CSG des retraités et vous baisserez les impôts pour les plus riches. Je vais effectivement... Mais je voudrais d'abord m'expliquer, je voudrais d'abord contredire le fait que cette augmentation de la CSG entache le pouvoir d'achat des retraités. C'est faux. Cette augmentation de la CSG, elle est faite pour augmenter le pouvoir d'achat et compenser justement la baisse des charges sociales pour les retraités qui seront données. Les retraités, ils ont déjà pesé quand ils étaient actifs. Non. Alors, ce sont des retraités qui, jusqu'à 1000... On aborde les thèmes de cette troisième circonscription. Non, mais je voudrais finir, M. Vallaud. Les cotisations de l'augmentation de la CSG va impacter des retraités dont la retraite sera supérieure à 1400 euros. Enfin, je voudrais finir. En dessous de 1400 euros, il y aura une exonération. Il n'y aura pas d'augmentation de cette... Alors, c'est 1200 euros et on est riche à 1200 euros. Non, je ne dis pas qu'on est riche, mais c'est déjà un premier point. Ceci étant, on termine sur la question. Monsieur Vallaud, si je voudrais terminer, s'il vous plaît. Ceci étant, sur les 5 ans précédents, il était possible aussi de chercher une solution pour revaloriser les retraites. Elle n'a pas été trouvée. Nous en trouvons une. Ce que je ne connais pas actuellement, c'est quel est le programme du Parti socialiste... Quel est le programme du Parti socialiste actuellement qui permet de relever les retraites Quel est le programme vieillesse. Ce programme, il est parti en même temps que le revenu universel, en même temps que le candidat à la présidence de la République socialiste. Nous avons un programme. Je reconnais que nous entendons des contestations. Un programme qui va accroître le pacte social. Ne racontez pas, que vous allez aider le pouvoir d'achat des retraités. Nous allons baisser, les augmentations sont faites pour... Ça n'est pas vrai. Ces augmentations de CSG
sur ces tranches sociales sont faites pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat et de compenser la baisse des charges sociales de chômage et de maladie qui vont être appliquées aux salariés actifs. On a bien compris que vous n'êtes absolument pas d'accord.